Bonjour à tous, bienvenue sur ce 32e épisode sur The Last of Us Part 2. Rappelez-vous, on venait de se quitter alors qu'on avait combattu des méchants. Je suis toujours avec Lev en partance pour l'hôpital. Et on est en train de descendre cet immeuble sans que je sache vraiment par où passer. Peut-être ici. Ouais, ça m'a l'air bien, ouais. Oh! Ça cache des choses. On a, comme d'habitude, des beaux petits infectés. Alors, j'ai pas de silencieux. Il me manque du papier et une bouteille en plastique, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, niveau discrétion, je sais pas trop comment on va faire. J'ai plus de carreaux, j'ai rien, quoi, en fait. C'est triste, hein, mais bon. On va essayer de la jouer discrètement quand même. Je sais pas si ce sera possible. On va tenter. Voilà. Ah, j'ai pas de surin. Bon, bah on va essayer de passer discrètement du coup. Ok. C'est quelque chose de très compliqué à tenter. Voilà. Oh. À mon avis, on a un gros juste en face. Ouais. Bah de toute façon, on va le tenter parce qu'on n'a pas le choix. Le truc qui me dérangerait, ce soit que les claqueurs d'en haut viennent pendant le combat. Le truc, c'est que je sais pas si le chambleur voit en fait. Ça, je me souviens plus. Puis j'ai l'impression qu'on est obligé de passer par lui, du coup. On va tenter, hein. Ouais. Je crois bien qu'on n'a pas le choix. À moins qu'il y ait un autre chemin, mais alors là. Pour le coup, je le vois pas. Ah bah si, ici. Mais non, ça c'est de là d'où je viens. Non? Je déteste ça. Ok. Bah tant qu'on n'a pas besoin de lancer le combat, en vrai... Eh bah je vois pas pourquoi on le lancerait. C'est logique, mais... Il doit sûrement y en avoir d'autres ici, hein. Ok. C'est loin. Ok, on va y aller. Je remets la lumière, mais en fait, pour l'instant, tant que c'est désinfecté, j'allais dire qu'ils voient pas. Ok, vas-y. Bon, de toute façon, ils peuvent pas venir jusqu'ici, je pense. Ce sera un peu abusé, sinon. Genre, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de me faire repérer. Ah, si, ils vont venir en fait. Voilà, calmez-vous. Oh, non, mais. Peu de silence. Je rappelle que c'est une sorte d'hôtel, donc les clients ont besoin de silence, messieurs dames. Non, mais il va y en avoir un autre qui va surgir. Ça fait des sales bruits quand même. Ça, vous me le retirerez pas de la tête. Ah ouais, quand il y a le rôdeur qui est sorti là, je me suis dit bon bah ça y est. Toute cette infiltration pour rien au final. Et maintenant ici? Non, même pas. Comment je fais?
Je le déteste, cet immeuble. Continue à descendre, on est presque au niveau de la rue. Ouais, mais je sais pas comment on descend après. Ah bah par là, tout simplement. Non mais on va se faire arnaquer, regarde. C'est une arène ici. Vous m'avez pris pour qui, vous? C'est encore eux, hein. En bas, j'en entends pas particulièrement. Ah merde, j'allais descendre par là, moi. Pensez que si j'avais atterri sur ce matelas, est-ce que j'aurais fait beaucoup moins de bruit? Est-ce qu'il y avait un passage autre qu'avec le rôdeur là? Ok, on a l'air bon. On va avoir le temps de fouiller, bien c'est ça. C'est vrai qu'Isaac a éliminé ceux qui commandaient avant. La Fedra, ouais. Il paraît qu'il torture les gens. C'est pas le moment de parler de ça. Ok. Même si c'est vrai. Toi, t'as déjà torturé quelqu'un? Lev, occupe-toi plutôt de trouver une issue. Cool, c'est ce que je voulais, un petit silencieux. Il arrive après la tempête, hein, ce silencieux, mais bon. Plus tard que jamais. Oh, bien ça. 17, plus 8, plus 6, pardon. On peut toujours rien prendre? Si. Respiration bloquée, vitesse déplacement à terre. Kit amélioré, déplacement en visant. Silencieux amélioré, je vais prendre ça. Ça c'est très bien ça. Vu que maintenant j'ai pris une petite leçon avec les épisodes précédents à force, je vais plus me la jouer discretos, autant que faire se peut bien entendu, mais disons que c'est plus, pas glorifiant, mais c'est plus stylé quoi. Ça demande beaucoup plus de capacité et d'analyse de l'environnement. Lev, est-ce que ça va? Ouais. Et toi? Pour être franche, j'ai connu mieux. Rien ici. Toujours tout fouillé, surtout dans une zone où on reviendra jamais, MDR. De toute façon, on reviendra jamais nulle part. Vu qu'à la fin du jeu, à mon avis, on va pas revenir dans ce bâtiment, tu sais. Autant c'est un truc que je fais aussi dans les mondes ouverts. C'est que je me mets à fouiller pas mal de trucs, même si je sais que je pourrais y repasser plus tard. Je me dis au moins comme ça c'est fait. Et tout ce qui est fait n'est plus à faire. Bon. Là, jusque là c'était cool. Il y avait les fenêtres qui étaient ouvertes et tout. Et on replonge dans la pénombre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Oh, ah, hey. Du combustible ça. C'est pour le lance-flamme. À mon avis, on va le garder à portée. Ouais. Bon, on n'a pas non plus masse de ressources. Hein. Ici, ça sent l'embrouille. Pardon, j'avais oublié d'allumer mon micro. Je pensais qu'il y allait avoir une cinématique. En fait, tant qu'il n'y a pas de rôdeur, moi ça me va. C'est vraiment eux qui m'embêtent. Oh merde, oh non, je pouvais faire un sur un. Ah zut, c'est mal joué de ma part là. Oh, il y en a un qui fait un bruit. T'es pas rassuré là-dedans hein. Mais du moment qu'ils sont tous aveugles, en vrai, j'ai envie de te dire, je crains pas grand chose, du moment que je suis assez silencieux. Vous imaginez un jeu où il faudrait vraiment être silencieux même à la voix, genre ça détecte le micro, comme à l'ancienne NBA, genre quand j'utilisais un gros mot t'étais pénalisé.
Non mais là. J'ai eu peur que ce soit un rôdeur. Bah non. Attends, mais comment tu veux esquiver les rôdeurs? On les voit pas. Pour esquiver les attaques. Ouais, ok, vas-y. Main nue, ouais. Ok. Ouais, bon, le truc, c'est qu'il te donne pas de conseils contre les rôdeurs. Et c'est ça qui est dommage. Parce que sinon, le reste, je gère assez bien. Le problème, c'est ceux qui sont dans les murs, là, qui sortent d'un coup. Si je passe derrière lui, c'est chaud, non? Ok, ouh, hey. Mais c'est obligé qu'il m'ait mis un rôdeur de chaque côté, non? Genre sinon, il y a toujours une route opti. Et l'autre sert à rien du tout. Après, c'est sûr que c'est dommage de pas pouvoir fouiller. Ok. On a le gros ici. On n'a pas l'air d'avoir d'autres issues. Oh, beau ça. Ok, ouais, c'est toujours une balle à la fois. Mais alors, comment faire ici? J'avoue que je suis un petit peu embêté. J'ai l'impression qu'il bloque. Bah, justement, l'endroit où on doit aller. Donc comment faire? On va essayer de pas se mettre dans sa route. Pas dans son chemin. Non mais là il va me choper. C'est tendu. Pourtant j'ai pas fait de bruit hein. Attends, ce serait abusé, genre si c'est lui qui me repère alors que je bouge pas. Et au pire, j'ai la bouteille, mais ce serait con de la gâcher en fait. Ah, il est relou lui, hein. Très relou. Il s'agirait de grandir, monsieur, dame, madame. Le truc, c'est que je bouge pas, hein. Donc je sais pas comment il y a les trucs qui me font repérer, là, au niveau du son. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Oui, c'est bon. Mon micro est bien allumé. Bon, avance toi. Il va rester là toute sa vie ou quoi? Ouais, lui il bloque le passage. Ok, je sais pas comment il m'a vu. Mais bon. Ah ouais. Eh ben, c'est dur le jeu vidéo, hein.
Je crois que j'ai compris le chemin. Ah ok, tu nous remets là. Eh, ça tu l'entends pas hein. Bah non, j'ai pas bougé. C'est un peu... Je trouve que cette arme, en fait, cette sorte de mitrailleuse est vraiment nulle. C'est peut-être parce que je suis en mode rafale, tu me diras. Ouais, je pense que ça doit être ça parce que... Le truc c'est qu'ils m'ont mis le spawn le plus éclaté de France. Puisqu'à chaque fois le claqueur revient ici. Et il m'entend. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le pompe, on va changer les cartouches pour prendre des ordinaires. Voilà, on va garder ça. C'est difficile parce que j'essaye de rester concentré et du coup je peux pas vraiment animer la vidéo. Il faut que je reste silencieux, j'ai envie de rester pas muet mais vraiment moins bavard. Ok, ça m'a l'air bon. De toute façon il va y avoir l'autre dans le mur là. Vas-y, passe. Ok, à partir de là, c'est totalement l'inconnu. Attends, je comprends pas comment je me fais repérer là. Je comprends pas du tout. En fait, attendez, mais c'est bizarre, non? En fait, ils voient les claqueurs. Ils se mettent à voir maintenant. C'est pas possible sinon, parce que là j'étais limite immobile. Peut-être qu'ils entendent mieux quand ils sont orientés face au son. De toute façon, vous verrez pas tout ça, vous aurez une coupure bien entendu. Parce que ça commence à être long. Vous aurez une coupure. Allez, là je sens que c'est la bonne. On va laisser s'éloigner. D'ailleurs, j'ai l'impression que les claqueurs sont que des femmes. Bon, après, je peux me tromper. On va rester à terre. Au cas où. Évidemment, il va passer par là. Là, je peux pas être plus silencieux. Hein. Je suis vraiment... Attends, si je pensais qu'un jour, dans The Last of Us, je serais en train de ramper là... dans les couloirs d'un hôtel, je me serais pas cru. C'est long hein. Ah bah non, tu viens pas par là. Mais par où il est passé lui? C'est pas réaliste du tout. Ok. On y est presque.
Bon, à moins que là, il y a un truc qui me repère au dernier moment. Je comprends pas, moi. Allez, ça a l'air d'être bon. On y est. Oh la vache, c'était chaud. Damn. Par où on va ensuite? On descend? Ouais, peut-être pas. Bah alors? Ah, ici. Ah, c'était compliqué, hein. J'ai dû faire pas mal d'essais. En fait, ce qui est marrant, c'est que... Une pièce. Une pièce de quoi? Quoi? Ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment genre un chemin opti que tu peux que tu peux choisir quand tu connais bien le jeu. Mais c'est vrai que parfois j'étais en mode ok, bah comment il m'a entendu. Ça dégoûtait un peu, j'avoue. Rien ici, là non plus, là non plus. On va vérifier si je peux pas me crafter des petits trucs bientôt. Ça ne serait tardé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lance? Oh, ok. On a la pièce du Wisconsin. Clairement, on s'en fout. Désolé, hein, mais... Tu peux retirer ton masque. Merci. Ok, je pensais qu'ils allaient parler plus. Des fois, c'est quand on continue d'avancer. Bon, bah là, c'est un aller sans retour. C'est pas mal ces petites phases d'infiltration, j'ai envie de dire, avec des infectés. C'est plus facile qu'avec des humains. Parce que les humains, bah, clairement, ils te voient. Hein. Donc, même si t'es discret, que tu fais pas de bruit, t'as une chance sur deux que. L'hôpital. C'est juste là. T'as une chance sur deux qu'ils te repèrent de loin. Ouais, on a réussi. Tu vois l'élévateur juste là? Non. On devrait y aller. Attends, mais je fouille la zone, moi. Je préfère qu'on raconte pas aux autres ce qui s'est passé. J'ai pas envie qu'Ara s'inquiète. T'es cool comme frère. Je peux te poser une question? Vas-y. Tu regrettes de t'être rasé la tête? On n'est pas censé éprouver des regrets. Lève. J'aurais mieux fait de m'enfuir. Comme ça, j'aurais pas mêlé Yara à tout ça. Elle serait chez nous, en train de s'occuper de notre mère. Votre mère, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle? C'est notre mère. C'est notre devoir. Ok. Vous imaginez si c'est les descendants de la prêtresse? Enfin, pas de la prêtresse, mais de la prophétresse. Voilà. Puisse-t-elle vous guider? Ça, on a bien compris à force. Wep, wep, wep. Ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé un petit coffre-fort, là, non? Histoire de d'utiliser mes talents de crochetage. Ok, là-bas, c'est Keblo. Ah, ici. Des pièces dans la Benayoire. Rien. C'est rempli de trucs, mais on ramasse presque rien. Quasiment. Par contre, ça, c'est stylé. Ça, ton micro-ondes, il tient en l'air. Je sais pas comment il fait. Il est télékinésiste, peut-être. Tu vas m'attendre ici. Quoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils voudraient te faire la peau. Moi, il y a qu'au backgammon que je suis une menace pour eux. Le backgammon? Je vais entrer par devant, je chope le matos et je reviens. Toi, tu restes ici, ok?
Ok. Filtré là. Si c'est des wolves. Si. Pourquoi je me cacherais? C'est ça que je comprends pas trop. Parce que l'hôpital est bien sous le contrôle des wolves, il y a Nora et tout. Mais... En fait, ce qui est relou, c'est ma faute, hein, mais des fois, j'écoute pas ce qu'ils disent. Enfin, je suis là, je regarde la cinématique et tout, mais... Je suis en mode... Qu'est-ce que je fais déjà? Y a quelqu'un dans l'eau. Un intrus? Je suis une wolf. Tirez pas. C'est moi. Abby. Abby? C'est Abby, merde. Elle est seule. Ouvre le portail. Ouais, c'est plus logique. T'imagines, on se serait pas fait tirer dessus pour rien, quand même. Ah, je peux pas regarder là-bas. D'accord. Salut, les gars. Ah bah, je t'ai venu à la nage? Le bateau s'est renversé. J'ai besoin d'équipement médical. Je fais un boulot pour Isaac. On doit apporter tout ce matériel à Isaac. Qu'est-ce qu'il lui faut? Je peux pas vous le dire. C'est un truc en dehors de la base. On est en train de sortir et d'emballer tout le matos. Va voir si quelqu'un a ce que tu recherches. Elle est dans le coin, Nora? Hier, elle m'a dit qu'elle devait venir ici. Elle est partie avec le dernier chargement, mais elle va revenir. D'accord. Merci. Comment ils font pour attirer de nouvelles recrues? C'est cool, ça. Par contre, ils ont l'air un peu suspicieux, tout de même, non? Ah oui, on est arrivé d'ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Du coup, on va voir Grizzly et tout. T'es Danny? S'il a de la chance, les Scar le trouveront d'abord. Salut, les gars. Ah, Abby, t'es au courant pour Danny? J'ai entendu des rumeurs. Vous les répétez pas, j'espère? Non, pas du tout. Bien, continuez comme ça. Elle met un petit coup de presse là. Genre, oubliez pas que. Oh, Grizzly! Parler de ça. T'es dingue! Oh, salut, Grizzly. Il t'a fait venir jusqu'ici aussi. T'es un bon chien. Bonjour, Abby. Salut. Oui, bonjour, madame. Excusez-nous, nous on était plus intéressés par le chien que par votre présence. Salut. Je cherche des trucs. Oh, ils sont tellement bien équipés en fait. Je te prends ça. Hein. Le dernier bateau est parti. Je répète, le dernier bateau est parti. À quelle heure arrivera le prochain? Terminé. Ok, je pense pas qu'on puisse choper des infos particulièrement croustillantes, je dois bien avouer. J'ai des doutes là-dessus. Tiens, ils ont quelque chose à dire, eux. Vous avez pas encore fini? Non, on procède étage par étage. Il reste du matos là-dedans. Ouais. Il nous reste encore pas mal d'étages à vider. Oh, bonne chance. De rien. Salut. Abby. Ils t'ont transféré toi aussi? Ouais, c'est la joie. J'ai besoin de matériel médical. Tu peux me dire où ils sont? Abby, je viens de parler à Isaac. Tu retournes à la base avancée. Laisse-moi contacter Isaac. Tu lui parleras en personne. Tu pars avec le prochain chargement. Désolé. Qu'est-ce que tu fais? Elle a disparu depuis hier. Donne-moi tes mains. Est-ce qu'il y avait un moyen de pas se faire choper? Hé hey, détachez-moi, putain! Oh, arrête, tu vas te déboîter l'épaule. Nora! Eh ben... Je pensais pas qu'un jour tu serais contre Isaac. T'as trouvé Owen à l'aquarium? J'ai parlé à Manny. Il me faut du matériel médical. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Syndrome des loges. Son bras est foutu. Tu vas pas le soigner, j'espère. Ce sera Mel. On n'a pas beaucoup de temps.
Zut. La plupart de ces trucs ont déjà été emballés et déplacés. Quoi ? On n'a pas encore vidé les étages inférieurs. Il y aura ce qu'il me faut. Ouais, sûrement, mais... ça va être difficile, tu sais. Je m'en sortirai. S'il t'attrape, tu ne m'as jamais vu, d'accord ? Oui, bien sûr. Bon, suis-moi. Et on va s'arrêter ici pour ce 32e épisode. J'ai hâte de faire cette petite phase d'infiltration. Bon, bah nous aussi, clairement, on est des je sais plus comment on appelle ça. On n'est plus dans notre camp maintenant, hein. On est contre Isaac apparemment. Tout ça parce qu'on a voulu aider Owen, mais bon, certes. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En attendant, moi je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.